Ça vient de chez nous, de notre centrale de vente. Il s'affole un peu vite, non? J'aime mieux ne prendre aucun risque. Vous en serez quitte pour une balade, sinon. Et l'histoire des... Des courgettes? Oui, ça remonte à quand déjà? Un peu moins de 2 ans, mais c'était pas dans le même secteur. Cette fois, c'est... Les cas signalés se trouveraient ici. Ok. Prenez donc la petite Hopkins avec vous. Un petit stage sur le terrain lui fera pas de mal. Ok. Pour l'instant, tout ça reste confidentiel, bien sûr. Oui, je sais, je sais. Bonjour madame, contrôle sanitaire, nous pouvons entrer. Bonjour madame. Permettez, vous avez une fourchette. Non, c'est bien une des nôtres. Bon, tout est ok. Au revoir, madame. Excusez-nous, au revoir, madame. Et vous? Du sucre. Sucre. Du café. Café. Du lait. Voilà. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Et du pain. Pain. Voilà, c'est tout. Pas de tomates? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Regardez, celles sont belles pourtant. Non, non, vous faites la note.
madame. Contrôle sanitaire, nous pouvons entrer. Vous êtes contente de nos produits ? Monsieur, très contente. Vous dites ça d'un drôle d'air. On ne vous fait pas peur, j'espère. Et pourquoi j'aurais peur ? Apparemment, il n'y a aucune raison, en effet. Bien justement, faut pas avoir peur de nous dire ce que vous pensez vraiment de nos produits. Est-ce que je vous dis que ça va ? Vous avez bien une petite plainte à formuler, quand même. Non, aucune. Allons, allons, madame. N'allez pas me faire croire que parmi tous nos produits, il n'y a pas au moins un qui ne vous plaise pas. Au moins, quand même. Comment c'était ? Vous avez dû connaître ça, vous, le temps où il y avait... Vous aviez le choix entre des produits plus variés, moins homogènes que ceux d'aujourd'hui. Vous devez vous en souvenir, vous, de ce temps-là. Hein ? Je m'en souviens, monsieur. Vous ne le regrettez pas un petit peu, ce temps-là ? Oui, non, oui. C'était autre chose, monsieur. Là, je m'en doute. Et peut-être que vous aviez aussi un jardin à cette époque. Hein ? Plus maintenant. Oui, bien sûr, plus maintenant, mais je parle avant. Enfin, avant l'interdiction. Oui, j'en avais un, monsieur. Et qu'est-ce que vous y cultiviez ? Un peu de tout. Des tomates aussi ? Des tomates et un peu de tout. Et ça fait longtemps que vous ne cultivez plus rien, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on n'a plus droit. C'est ça, oui. Et maintenant, le jardin, il est... Il est toujours là. Vous pouvez vérifier, vous savez. Mais je ne veux rien vérifier. Vérifier quoi d'abord ? Ben, je pensais que... Vous pouvez y aller voir, vous savez. Ça vous intéresse peut-être de voir comment c'était un jardin avant ? J'aimerais bien, oui. Si ça vous dérange pas ? Oh, pas du tout ! Allez-y, allez-y ! Je vous laisse y aller. C'est juste là, vous verrez. Par ici. En voilà. Ce ne sont pas des tomates homologuées. Vous savez que ça peut vous coûter cher. Où est-ce que vous les cultivez ? Je vous jure, monsieur, que je ne cultive pas de tomates. Mais donc, vous êtes toute seule, c'est ça ? Regardez, prenez-en quelques-unes. Bon alors, si c'est pas vous, c'est qui ? Non, c'est pas moi. C'est qui alors ? Si c'est pas vous, d'où elles viennent alors ? Nous n'avons rien à voir avec le service de répression des fraudes. Dites-nous d'où elles viennent et on vous laisse tranquille. Bah, tant pis, hein, si vous voulez rien dire, moi je téléphone tout de suite au service de répression des fraudes. Et pour quelques tomates, ce serait tôt de faire des histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire un contrôle sanitaire. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est Martin qui me les a donnés. Martin, quel Martin ? Celui du musée. Quel musée ? Le musée du bon laboureur, à la sortie du village. Mmh.
s'arrête. Bon. Ben voilà. On a fait le tour. Il y a encore un étage là-haut. On peut les laisser là? Oui, oui, ça gêne pas. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ben tiens, je l'ai pas mis en place. Oui, mais c'est quoi? C'est une pioche. Une pioche? Mais ça servait à quoi? À piocher. À creuser la terre, quoi. Voilà, c'est exactement comme ça que c'était. Là, voyez-vous, si j'avais plus de mannequins, j'aurais organisé une veillée comme ça se faisait avant, on racontait des histoires. Et vous en recevez beaucoup de visiteurs? Pas tellement, non. Ça fait que d'un autre côté, on est plus tranquille, forcément. Bien, vous avez déjà des rasoirs comme ça? Ah non, ça c'est le mien, je vous demande pardon. Oh, viens voir. Ça, c'est le semeur, c'est comme ça qu'on pratiquait avant qu'il y ait des semoirs comme ceux que vous avez vus dehors. Vous voyez la grande poche qu'il a dans son tablier? Ben, c'est là-dedans qu'il prenait les graines et qu'il les jetait à la volée, comme vous voyez là. C'est ça, c'est le geste auguste du semeur. Et pourquoi auguste? Parce que c'est le nom de ce geste-là, c'est pour ça. Et alors, les graines tombaient dans la terre, seulement il y a des oiseaux qui voulaient les manger. Alors, pour les protéger, les graines, on plantait des épouvantails comme ceux que vous voyez là. Ah, c'est ça, des épouvantails. Mais ça suffisait pour éloigner les oiseaux? Ah ben oui, puisque ça s'appelle des épouvantails, c'est que ça faisait peur aux oiseaux, forcément. Et alors? Et où j'en étais alors? Oui, alors. Oui, et alors, les graines s'enfonçaient dans la terre, ils y restaient tout l'hiver bien au chaud pour germer, et dès qu'il faisait beau, au printemps, hop, voilà la petite pousse qui se mettait à sortir de terre. D'abord, elles n'étaient pas plus grosses que ça, mais tout devenait vert. Et puis alors, ça se mettait à pousser, à pousser, à pousser. Il y a les épis qui se formaient, puis qui commencent à grossir, à grossir, à grossir. Et puis, un beau jour, ils étaient mûrs, c'était en juillet ou en août, et alors c'est là que... On moissonnait et puis on recommençait l'année d'après. C'est dingue. C'était super long comme système. Eh ben voilà, on a tout vu. Il y a quelqu'un? Oui, voilà, voilà. J'arrive. Ça vous embêterait de nous prendre assis à la table? Bon, ma foi, si ça peut vous faire plaisir. C'est là qu'on appuie? Non, non, sur le bouton rouge. Bonjour, monsieur, dame, juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Je m'attendais de voir avant. Vous n'avez pas de carte postale du musée? Alors, j'en ai demandé, j'ai toujours hier reçu, ça fait que j'en ai pas, je regrette. Ça fait rien. Alors, ça va? Oui, oui. Tiens, regarde. Bon, ben, au revoir, monsieur, et merci. Au revoir. Au revoir. C'était super, vous savez. Merci. Au revoir, mademoiselle. On vous enverra des clients. Mais quand vous voulez. Alors, vaut mieux commencer par dehors et on finira par ici. Non, non, on vient pas pour visiter. Ah? Oui, la société d'élimination nouvelle, ben ça je connais, oui, forcément. Pourquoi forcément? Pourquoi forcément? Parce que tout ce qu'on mange, c'est chez vous qu'on l'achète, pardi. Sauf? Tu sais ce que c'est, ça? Ah bon, mais si je l'ai enlevé, comment vous voulez que je vois, moi? Regardez-la, mais n'y touchez pas, s'il vous plaît. C'est une tomate, c'est ça? Exactement, et vous savez d'où elle vient, cette tomate? Non, d'où elle vient? Regardez-la bien, vous la reconnaissez? C'est une tomate, hein? Une tomate qui vient de chez vous, monsieur Blanchet.
Tiens, comment ça de chez moi? Comment ça se fait que vous avez chez vous une tomate de chez moi? Moi, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. Et Mme Louise Merle, vous connaissez? Ah oui, très bien. Ah ben, je comprends, c'est ça. C'est une tomate que j'ai donnée à Mme Merle. Exactement. Ben oui, moi, je ne peux pas deviner, moi. Voulez-vous que je devine? Et alors? C'est une tomate avec pépins, vous le savez? Ah ben, forcément que je le sais. Et comment se fait-il que vous ayez ces tomates non homologuées? Je ne sais pas pour vous vexer, mais mes tomates, elles sont quand même bien meilleures que les vôtres. C'est pas ce que je vous demande, Monsieur Blanchet. Comment se fait-il que vous ayez des tomates avec pépins, variété interdite et en principe disparue? C'est parce que je l'ai fait pousser, pardi. Ah. Vous connaissez donc que cette tomate, c'est vous qui l'avez fait pousser? Ah, mais celle-là, je ne peux pas vous garantir. Non, non, commencez pas, hein. Vous êtes-vous procuré les graines? Monsieur Chauvet qui me les a données. Voilà. Chauvet. Prénom? Gabriel, je crois. Gabriel. Adresse? Bon ben, le pauvre homme, il est mort, ça fait 5-6 ans déjà. Vous fichez le mot, quoi? Bon ben, je vous affirme qu'il est mort! Et c'est lui qui vous aurait donné les graines? Oui, monsieur, c'est lui qui me les a données. Un jour, il vient me voir avec un sachet de graines. Tiens, il me dit, si ça ne t'intéresse pour ton musée, j'en ai trouvé dans mon grenier. Et le sachet, il est là. Ah, un sachet jaune, là. Il est vide? Bon, bien entendu, les vides, puisque les graines, je les ai semées. Et alors, ça fait de ces tomates, alors là, ben, attention, les graines, je les rends au musée, hein? Chaque année, j'en choisis 4 ou 5 bien mûres, je fais sécher les pépins et je les remets dans le paquet pour les remettre au musée pour pas qu'on dise que je suis un voleur. Ah, non! Et vous pouvez revenir en septembre, vous verrez, le sachet à nouveau, il sera plein. C'est donc des tomates qui poussent en ce moment? Ben, je pense bien, c'est même la pleine saison. Vous voulez les voir? Évidemment que je vais les voir. Ah, ben, venez, c'est rien de plus facile. Rien d'autre vous intéresse en passant? Voilà. Ça alors. Et c'est là que vous les cultivez? Oui, c'est là. Sont abrités du vent et puis c'est bien ensoleillé. Et vous avez d'autres cultures comme ça? Non mais écoutez, le suleur, vous voyez bien que c'est pas vous qui faites le travail, non mais des dons. Dites-moi, il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez en consommer, non? Ah oui, quand même. Que faites-vous de celles que vous ne consommez pas? Il y en a qui pourrissent, il y en a que je donne. Mais vous en voulez une? Vous les donnez ou vous les vendez? Oh non, ça je les vends pas, je les donne, ça non alors. La jeune fille qui vient de partir ne vous a pas dit qu'elle vous enverrait des clients? C'est même bien gentil de sa part, cette demoiselle. Venez, vous voulez y goûter? Vous savez que les seuls aliments autorisés sont ceux que nous vendons. Et qu'il est interdit de cultiver des légumes d'origine germinative et non aseptisée. Oui, bien ça, c'est bien dommage, je vous le dis, parce que celles-ci sont quand même bien meilleures. En quoi sont-elles meilleures, monsieur? Ah ben, goûtez, vous verrez la différence. N'y touchez pas. Mais si, avec tout ce qu'il y a... Saleté. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est au musée tout ça, vous n'avez pas le droit, vous avez un papier pour faire ça. Comment ça au musée? Oui monsieur, au musée. C'est moi qui l'ai fait visiter ces tomates. Ce sont les graines de monsieur Chauvet, c'est enregistré ça. C'est un bien public à présent, non mais... Ça ne vous donne pas le droit d'en cultiver, et encore moins d'en distribuer. Et alors, on va pas laisser perdre d'aussi belles tomates, non mais... Ok, c'est ce qu'on verra. Allez, venez-vous. La Britannica vulgaris est une variété de la Solanum lycopersicum, pomme d'amour en langage courant. Mais il n'était pas rare que pour cette variété, le nombre de graines dépasse la centaine, avec un pouvoir germinatif intact. Et voilà. L'échantillon que vous m'avez fourni présentait sur l'une des bosses des traces de moisissures marbrées. Dangereuses? Non. Aucun germe, aucune bactérie, vous êtes sûr?
Enfin, si, ce qu'on trouverait dans la terre, mais... Aucun cancérigène? En première analyse, non. Bon, je veux en être sûr. Ok. Vous avez été imprudent, Nadal. Si c'est un réseau, ils vont se méfier à présent. Il fallait pas foncer comme ça, je vous avais dit de la discrétion. Désolé, demander à Hopkins, on est tombé en plein dessus sans qu'on s'y attende, c'est pas vrai? Ça m'a été tellement facile que je trouve ça suspect. Oui, en tout cas, moi j'ai prévenu le centre, ils nous avaient demandé de leur signaler immédiatement tout cas de déviance. Vous voulez voir la réponse de Paris? Ok. Encore fallait-il qu'on s'assure que c'était une déviance? Au départ, on n'en savait rien. C'était pas une raison pour foncer comme ça. Ok, on verra bien. Et vous, Hopkins, votre avis? Je sais pas trop. À moi, il m'a paru plutôt inoffensif. Enfin, je veux dire... Faites le mettre sous surveillance technique. Ok. Oui? Quel travail pour quelques tomates? Dans chacune peut en produire une centaine d'autres. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous pouvez grossir s'il vous plaît? Plus bas sur les mains. Voilà, sur les mains. C'est une chenille qui l'attrape comme ça? Sans gants, c'est dégoûtant. Nadal et Mademoiselle Hopkins, qui nous est envoyée pour un stage par notre succursale de Montréal. Monsieur Granger des services psychologiques centraux. C'est lui? Oui. On peut le voir de plus près? Grossissez sur son visage. Mais pas un autre gros plan. C'est neuf. Casier judiciaire? Vierge. Son livret militaire? Rien non plus, sauf punition collective. Il était noté comme peu brillant avec un QI très moyen. Voilà le gros plan. Nous avons fait des recherches. Il n'est fiché ni chez nous, ni à la police. Souche paysanne, m'avez-vous dit? C'est ça, oui. Vous avez sa fiche médicale? Non. Il me la faut. Bien, monsieur. Bon, ça suffit. A-t-il un comportement particulier quand il est seul? Un comportement particulier... Si, vous savez, la fois où on a cru qu'il parlait tout seul. Hein? Montrez-moi ça. Depuis combien de temps est-il sous surveillance? J'ai 21. Depuis 6 jours, mais rien de suspect. La démarche de Nadal a dû le mettre en éveil. Je m'y attendais pas du tout, c'est pour ça. Voilà le plan, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas mis de micro? Pourquoi n'a-t-on pas placé de micro, Nadal? Vous savez bien qu'il y a que celui qu'on a pu mettre à l'intérieur. Alors essayez de décrypter le mouvement des lèvres. Ok. Bon, ça suffit. Et à l'intérieur, qu'est-ce que ça a donné? Rien que... Toujours le même type de discours, peut-être un peu trop lyrique quand il parle du printemps et de la germination. Le prosélytisme. Apparemment, oui. Sinon, à l'intérieur, est-ce qu'il parle tout seul? Non, jamais pour l'instant. Il a une maîtresse? Apparemment pas. Aucune femme? Sauf celle qui vient l'aider à faire le ménage, vous voulez la voir? Oui.
B6 ou C14, non, B6 plutôt. Pendant son sommeil, est-ce qu'il parle? Non. Hein? Non. Voici la femme. C'est elle qui m'a mis sur la piste de Blanchet. Ils se parlent entre eux? Très peu, en tout cas, jamais rien de suspect dans ce qu'on enregistre à l'intérieur. Laissez-moi juger, voulez-vous? Passez la bande. X3. Bonjour, ça va? Salut. Quoi de neuf? Toujours pareil. C'est tout? Monsieur, en gros, c'est comme ça tous les matins. Repassez la bande. Bonjour, ça va? Salut. Quoi de neuf? Toujours pareil. Relation sexuelle inexistante. C'est vous deux qui l'avez vu, n'est-ce pas? Donnez-moi votre impression. C'est un simulateur ou pas? Moi, je crois. C'est fermé. Pardon de vous déranger, ma voiture est tombée en panne tout près d'ici. Est-ce que je pourrais téléphoner? Oh, bien sûr, entrez. Je m'excuse, j'ai un place sur le feu. Merci. C'est là. S'il vous plaît, ça s'appelle comment ici? Lernay. Vous dites que c'est près du musée du Bon Laboureur. Allô? Est-ce que vous pourriez venir me dépanner? Ça vous ennuie si j'attends ici? Moi non, pensez-vous. Dans une heure environ? D'accord. Au musée du Bon Laboureur à Lernay. Et après manger, si vous voulez que j'aille voir si je peux vous dépanner, à moins que ce soit un truc dans l'électronique. C'est dans l'électronique, justement. Bah, restez pas debout, venez vous asseoir. Alors, la seule chose que je vous demande, c'est de faire attention à votre voisine. Pourquoi elle est dangereuse? Oh, dangereuse, non. Non, mais quand on la bouge, après, on a difficile de la remettre en place. Vous avez peut-être faim, vous aussi? Non, non, je vous remercie vraiment pas. Ça vous dérange pas quand je mange? Non, non, du tout. Qu'est-ce que vous mangez? Je mange? Non, la tomate, hein. Mais dès comme cela, vous n'avez pas dû en manger beaucoup. Vous voulez pas y goûter? Je vous assure, j'ai vraiment pas faim. Alors, vous vivez ici? Ah, oui. Bon, c'est-à-dire que non, normalement, il y a un autre logement, mais la toiture à côté, c'est une vraie passoire. Ça fait je sais pas combien de fois que je l'aurais signalé. Bon, là-haut, ils s'en fichent, à croire qu'ils m'ont complètement oublié avec toute l'informatique qu'il y a maintenant. Je ne me plains pas. Et puis j'ai de la compagnie. Vous leur parlez de temps en temps? À qui? Cette dame, ou à ces messieurs? Oh, ben, voilà une idée, leur parler. Pourquoi est-ce que je leur parlerai? Vous leur avez bien donné un nom. Comment s'appelle ma charmante voisine, par exemple? Bon, je dis ça à des mannequins. Comment vous appelez ça, vous? Enfin, quand même, entre les quatre, vous avez bien une préférence. Bon. Ouais. Celui-là. La femme. Ouais. Sauf qu'elle a une position plus naturelle que les autres, pas vous? Vous n'avez pas de téléviseur? Bon, si, j'ai la télévision, elle est sous la housse, là.
Je vois que vous avez des livres aussi. Oui, ça c'est ceux du musée, mais je les ai lus, pour me documenter. Pour mieux expliquer aux autres, n'est-ce pas? Voilà, vous au moins vous êtes un psychologue. Quoi? Quoi, vous avez entendu quelque chose, vous? Entendu quoi? Oh, mais faut pas vous inquiéter comme ça, si vous ont dit qu'ils viendraient, ils vont venir, c'est sûr. Mais, et vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Non, je m'excuse d'être indiscret, mais je vois tellement peu de monde ici que je m'intéresse un petit peu à tout, forcément. C'est quoi votre métier à vous, alors? Moi, je suis... C'est-à-dire que je fais passer des tests, vous voyez? Ah ouais? Mais des tests de... Des tests de... Des tests aux gens. Ah oui. Mais ça sert à... Ça sert à déterminer le comportement des gens, leur goût, leur réaction, leur tendance dominante, voilà. Ah, et c'est compliqué à faire, ça? Non, c'est très simple. Dites-moi, vous dormez là aussi, alors? Oui, en attendant, mais... Vous n'avez pas peur, la nuit, quand la lune vient éclairer tous ces personnages assis à cette table, ça doit être... Non, c'est surtout l'hiver qu'on gèle. Mais... J'aime bien, je suis culotté de demander ça, mais... Vous pouvez dire qu'avec mes tests, vous pouvez savoir comment je suis. Oui, et alors? Et alors, ça vous permettrait de monter la jiculotée de... Comment vous faites? Vous voulez vraiment? Non, juste une fois, juste un petit bout, pour savoir comment vous procédez. Hein? Je vous embête. Très bien, puisque vous le voulez. Je pourrais commencer par ce test. Le principe en est simple. Tenez, versez un peu d'encre sur cette feuille. Eh bien, allez-y. Ça va faire une tâche. Justement, allez-y. Et maintenant, pliez la feuille en deux. Dans quel sens? Dans le sens que vous voudrez. Et maintenant, ouvrez, regardez et dites-moi ce que vous voyez. C'est raté. Pourquoi c'est raté? Ça fait une tâche. Mais cette tâche, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette tâche? Ça fait sale, c'est ça? Bien sûr que ça fait sale, c'est une tâche. Mais dans cette tâche, on peut reconnaître des choses connues. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette tâche? Ça vous rappelle bien quelque chose? Ça vous fait penser à quoi? Ça fait comme une grosse tache d'encre. Mais enfin, par exemple, là, ça vous rappelle pas l'accouplement de deux personnages? Oh, ben vous alors? Bon, ça suffit. Ça y est? Non, ça, je peux pas essayer? Non, c'est pas la peine. Essayez plutôt, avec ces cubes, de constituer... cette figure-là. Tous ces personnages assis à cette table, ça doit être... Non, c'est surtout l'hiver qu'on gèle. Mais... J'aime bien, je suis culotté de demander ça, mais... Vous pouvez dire qu'avec mes tests, vous pouvez savoir comment je suis. Oui, et alors? Merci, ça suffit. C'est vraiment très, très curieux. Probablement un cas de figure tout à fait nouveau que nos hypothèses de travail n'avaient pas prévu. Passionnant, tout à fait passionnant. C'est pour ça que vous vous avertis aussitôt. Ok. Vous leur avez expliqué le but de ma visite? Non, pas encore. Monsieur Granger vient pour... Dans le cadre de... Bon, sans entrer dans le détail, la direction générale vient de nous demander de faire une étude approfondie
sur tous les cas de déviance recensés en France, en Italie et en Espagne, ok? Il y aurait un lien entre ces déviances, enfin je veux dire, il y aurait donc un réseau international de trafiquants de semences. Je n'en sais rien et ce n'est pas mon job. Le laboratoire central a reçu, lui, pour mission, étudier des actions grand public, destinées à contrer, en principe définitivement, toute tentative de trafic ou de déviance quelconque. Et dans une seconde perspective, de pouvoir utiliser le résultat de ces études pour mieux affiner nos futures campagnes de promotion. Ok? Bon, mais pour en revenir à ce Blanchet, je suis sûr en tout cas que ce n'est pas un trafiquant. Sûrement pas. Ni un écologiste. Ni même un militant, idéologue quelconque. Je suis sûr qu'il n'est motivé ni par l'intérêt, ni par la passion. C'est même un parfait spécimen d'imbécile. À moins que ce sachant découvert, il joue justement à faire l'imbécile. Je crois être capable de déceler si Blanchet est un simulateur, monsieur. Je ne voulais pas dire... Et plus, tous ces tests sont concordants. Aucune tendance agressive, ni subversive, même légère dans aucun de ces tests. Il n'a même pas branché la double grille de Wilkinson. C'est un inconscient, en fait. Pardon? Je veux dire qu'il agit inconsciemment, sans réfléchir. Mais j'ai bien entendu. Mais vous pensez ce que vous venez de dire? Pendant des années, toutes nos campagnes de publicité ont précisément visé cet inconscient du consommateur. Et ce Blanchet, qui est le type le plus moyen qui soit, aurait dû être parmi les premiers touchés. C'est ce qui rend son cas intéressant, d'ailleurs. Et d'autant plus inquiétant que ce type aussi banal, sans aucune personnalité, ait pu échapper ainsi à tous nos arguments, est incompréhensible. Qu'il puisse à notre époque manger des aliments non aseptisés, sans aucune crainte. Il a mangé devant moi ses tomates, comme ça, tranquillement. Il n'a peut-être pas la télévision. Mais si, Monsieur Granger lui a posé la question, voyons. Bien sûr, j'ai vérifié. Vous l'avez entendu comme moi. Est-ce que le résultat du décryptage des paroles de Blanchet dans son jardin vous intéresse encore? Évidemment. Oui, on me signale qu'il a parlé le plus souvent de profil. Et donc, malheureusement, impossible de lire sur ses lèvres. Mais il a quand même dit ceci. Il a quand même dit ceci. Allons, feignante, vous voulez pas mûrir. Mourir. Mûrir. Vous êtes sûr que ce n'est pas mourir? C'est ce qui est écrit dans le rapport. Alors demandez une contre-expertise. Immédiatement. Voilà Blanchet. À nous deux, mon bonhomme. Je peux suggérer quelque chose? Allez-y. Avant de lancer une action traumatisante pour cet homme... Oui, une action traumatisante. Excellente formule. Il nous faut modifier son comportement et en même temps frapper l'imagination du consommateur très fort. Très bonne formule, mademoiselle. Merci, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, moi par exemple, ça m'intéresse de comprendre pourquoi cet homme-là n'a pas fonctionné comme tout le monde. C'est une question, non? Oui, sauf si c'est un imbécile. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous ne connaissez pas les gens d'ici. C'est vrai que je suis pas très au courant de votre situation. Mais je pense que nos arguments sont bons pour tous les pays. Et pourquoi pas ici? Et je pense qu'il est possible de faire comprendre à cet homme son erreur. Sinon, ça... Sinon? Oui, sinon, ça voudrait dire que nous pourrions ne pas avoir raison. Ce qui est impensable pour moi. Vous, oui. Nous allons essayer votre méthode. On va commencer par là. En plus, vous êtes jeune et jolie. Mais non, ça n'a aucun intérêt, ça. Ok. Peu importe d'ailleurs, encore que... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce type soit si bien convaincu qu'il arrache lui-même ses tomates et qu'il les détruise lui-même de son plein gré. Je veux le voir. L'expérience, d'ailleurs, n'aurait aucune valeur scientifique si elle n'était pas concrétisée par cette autodestruction. Nous sommes bien d'accord? Tout à fait d'accord avec vous, monsieur. À cette époque, la vie du paysan n'était guère différente de celle du serf du Moyen-Âge ou d'un esclave de l'Antiquité. Travail acharné, fastidieux et sale. Enchaîné à sa terre comme une bête. Sans un jour de repos. Ressources dérisoires. Maladies infectieuses de toutes sortes.
accidents du travail fréquents et mal soignés, absence totale de vie culturelle et intellectuelle, climat moral appauvri et monotone conduisant à l'abrutissement et à la misère. Dans ce monde ancien soumis à tous les caprices des intempéries, les mauvaises récoltes, les rendements insuffisants n'arrivaient pas à nourrir les hommes. Famine, épidémie et des morts par millions. Depuis une vingtaine d'années, la mise au point de la culture in vitro a permis l'abandon progressif de la culture archaïque par germination qui remontait au temps néolithique. Aujourd'hui, un simple méristème, recueilli à l'extrémité d'une plante et placé dans des conditions favorables, permet de multiplier rapidement et presque à l'infini des plantes exactement semblables au modèle d'origine. Cette fantastique reproduction complètement aseptisée est surveillée en permanence par des culturants hautement qualifiés, diplômés de l'École supérieure d'alimentation. La Société internationale d'alimentation nouvelle fut une des premières au monde à lancer cette nouvelle génération de fruits et légumes rigoureusement sélectionnés, à valeur nutritive incomparable, et que ses spécialistes ont parfaitement adapté aux techniques modernes de conditionnement. On comprend que les gouvernements aient immédiatement protégé cette innovation et pris des mesures légales pour favoriser la disparition des anciennes méthodes au moment où commençait à se poser avec acuité le problème de la survie alimentaire des 6 milliards d'habitants qui peuplent aujourd'hui notre planète. Souhaitons ne plus jamais revoir ces images. Le temps de l'abondance est commencé. L'ère post-agricole est en marche. Alors, Monsieur Blanchet. C'est beau, hein. Faudrait montrer ça à mes visiteurs. C'est vrai, ça fait des années que je réclame un machin comme ça à l'administration. Pensez-vous? Oui, mais le film, que pensez-vous du film, Monsieur Blanchet? Oh, il est beau, hein. Puis c'est vraiment bien fait, ça. Oui, mais sur ce qui est dit dans le film, quelle est votre opinion? Je trouve que c'est bien, hein. Donc vous êtes d'accord avec tout ce qui est dit dans le film? Oui. Pourtant, Monsieur Blanchet, vous avez recommencé à cultiver des tomates germinatives. Oui, mais c'est parce qu'elles sont meilleures, vous comprenez. Oui, mais il faut comprendre, Monsieur Blanchet, qu'en faisant ça, vous remettez en cause tout ce qui vient d'être dit dans le film. Oh non, ça, je veux pas être mêlé tout ça, là, surtout pas, non. C'est bien que vous cherchez pas à remettre en cause tout ce progrès. Non. J'en suis persuadée, croyez-moi. Non. Donc, il faut que vous compreniez, Monsieur Blanchet, que ce progrès fantastique représente des investissements énormes, absolument énormes, qui ont pu être rentabilisés parce que maintenant, partout, dans tous les pays, les gens ont les mêmes habitudes alimentaires. Est-ce que vous imaginez toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter pour changer dans chaque pays le goût des gens? Ça a pris des années et des années pour y arriver. Et vous, Monsieur Blanchet, sans le vouloir, je sais bien que c'est sans le vouloir, je voudrais quand même comprendre pourquoi vous avez fait ça. Fait quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Non, je veux dire, comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez eu envie de cultiver ces tomates? Oh, moi, ça, c'est très simple. Ça a commencé avec un vieux d'ici, le père Chauvet, qui m'a apporté un sachet de graines. Oui, ça, je le sais. Ah oui, c'est vrai, ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, bon. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que ces graines, ça me trottait dans la tête. Je me demandais, après tant d'années, si elles étaient encore bonnes ou pas. Puis ça me travaillait, ça aurait. Et puis un beau jour, je me suis dit, si j'essayais. Et puis j'ai essayé. Et puis je ne le regrette pas. Donc vous avez fait ça uniquement par curiosité? Par curiosité, si on veut. Je voulais en avoir le cœur net. Et là, quand j'ai vu sortir sa terre, ben mon vieux, tu me croiras pas, mais la première fois que j'ai vu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Mais je les ai soignées, attention, hein. Et à force d'en prendre soin,
Ben, on s'attache, surtout que elles sont bonnes. Et c'est ça que j'aurais bien compris. Vous pouvez peut-être m'expliquer, vous qui êtes de la Sanne, comment ça se fait que la société d'alimentation nouvelle fabrique pas des tomates comme les miennes plutôt que celles que vous vendez et qui valent rien. Mais monsieur Blanchet, on vient de discuter de ça. C'est tout le problème, justement. Supposez que ces tomates soient en circulation avec leurs pépins. Ça voudrait dire que tout le monde prend en cultiver, n'importe où, n'importe comment. Et on reviendrait au désordre qu'il y avait avant. Savez-vous, monsieur Blanchet, combien chacune de vos tomates contient de graines? Non, j'ai jamais compté. Une centaine, monsieur Blanchet. Une centaine dont chacune peut produire un plant. Chaque plant produit, vous le savez, de 30 à 40 tomates. Ce qui veut dire que dès la première génération, votre tomate aura donné 400 000 graines. À la seconde génération, plus de 15 milliards de graines. Vous voyez ce qui se passerait si tout le monde faisait comme vous, monsieur Blanchet? La désorganisation complète du marché? Le chaos que ce serait? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez, revenir en arrière? Revoir ces épidémies, ces enfants affamés, la pénurie? Est-ce que vous comprenez maintenant, monsieur Blanchet? Comment votre curiosité, votre simple curiosité, peut mettre en péril toute notre société? 15 milliards de graines avec une tomate. Oui, monsieur Blanchet. Maintenant, venez avec moi. Gardez-les bien, monsieur Blanchet. Et rappelez-vous le danger qu'elles représentent. Je sais, et pourtant elles sont meilleures. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Elles sont meilleures. Vous répétez toujours la même chose, monsieur Blanchet. C'est vous qui dites qu'elles sont meilleures. Chaque jour, des millions et des millions de personnes consomment des tomates normales, et sans problème. Qu'est-ce que ça veut dire meilleures? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas mangé des comme ça. Bon, écoutez, on va pas recommencer. Soyez logique avec vous-même, monsieur Blanchet. Vous avez reconnu que ces tomates sont un danger. Faut donc les détruire, c'est logique. Comment ça, les détruire? Je sais pas, moi, vous n'avez pas des outils? Et faites-moi un plaisir, mademoiselle. Goûtez-en au moins une. Mais non! Mais juste une! Monsieur Blanchet, je ne consommerai pas un produit non aseptisé. Mais vous craignez rien, moi j'en mange tous les jours, ça m'a jamais rien fait. Et puis je trouve dommage, mademoiselle, que une fois dans votre vie, vous ne connaissiez pas ce goût-là. Une fois dans votre vie. Ce serait bête de rater cette occasion, et puis après, on n'en parle plus. Promis? Promis. Très bien, monsieur Blanchet. Ah, la bonne heure. Je vais vous en choisir une. Ça craint rien, je vous dis. Tenez, en voilà une qui doit pas être mauvaise. N'ayez pas peur. Tenez. Faites comme moi. Ça y est, c'est fichu. Elle est en train de se faire avoir. Vous le signalerez à Perrin qu'il mette ça dans son dossier. Ok, avec ce type, c'était prévisible. Pour moi, les résultats négatifs sont aussi utiles que les autres. Combien de temps pour mettre en place l'expérience suivante? Demain, si vous voulez. Ok. Bonjour, ça va? Je vais aller. Quoi de neuf? Écoute donc ça. Oh,
2 cas de dysenterie dans la région de Lerny. On nous signale l'hospitalisation hier soir de 2 personnes atteintes de dysenterie d'origine phytopathogène. Phytopathogène. La réapparition de cette maladie que l'on croyait disparue pourrait être due à la consommation de légumes ou de fruits non aseptisés. Les services sanitaires de la Seine, immédiatement alertés, ont décidé de procéder à une enquête minutieuse dans toute la région. Si ça venait de tes tomates, Martin? Moi, penses-tu que je serais le premier touché? Toi, tu te sens malade, toi? Qui c'est qui a été hospitalisé d'abord? Mettre rien sur le journal. Ouais. Les premières réactions sont normales. Voilà Vidal, on dirait. Monsieur. On peut visiter? Ah, mais on est là pour ça, monsieur. Te fais pas de mauvais sang, là. Bon. Alors, ce que vous voyez partout, là, c'est du matériel agricole qu'on utilisait au temps de la culture par germination. Ça va des charrues les plus anciennes qui sont là-bas, jusqu'aux plus récentes qui datent des années 80. Tu peux faire des photos, hein? Allez-y, allez-y. On commence par le bas. Ce que vous voyez là est un exemple de culture ancienne par germination. Vous pouvez apercevoir, aux différentes couleurs des fruits, les différents stades de mûrissement. Ah, c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Très intéressant. Et c'est dur à entretenir? Ah, faut s'en occuper. Ça, en ce moment, il faut les surveiller de près, sinon les bestioles, ils ont envie de tout bouffer. Autrefois, on les traitait. Maintenant, il n'y a plus de produits pour ça. Alors, faut le faire soi-même. Regardez-moi cette saloperie. Hein. Bah, oh, bah, c'est pas méchant, vous savez. Mais qu'est-ce que vous en faites? Ah, je les brûle, pardi. Ça vous embêterait, monsieur, de recommencer à attraper vos bestioles, que je vous fasse une photo de votre travail? Ah, pensez-vous. Voilà, par ici, là, tournez-vous, là. Oui. Voilà. Non, vous me regardez pas, hein, sur la droite. Voilà. Faites semblant d'attraper vos bestioles, là. Non, relevez la tête. Regardez sur la droite, sur la droite. Voilà. Merci. Oh, dites, monsieur, ça vous embêterait pas de m'en envoyer une, des fois? Très volontiers. Maintenant, nous allons visiter les caves troglodytes. Dans la première, vous pouvez voir sur la droite un ancien four à pain. Oh là là, quelle histoire! Non, mais quelle histoire! Et attends, c'est qu'ils vont venir fouiner partout. Et tu vois pas qu'ils prennent tout cela comme manger les tomates à Martin, comme complice? Toi tout autant. Ah, moi j'en ai jamais mangé, c'est pas vrai. Tiens donc. Oh, juste une fois l'an passé, et encore. Et depuis, j'ai jamais recommencé, vous pouvez pas dire. Ça fait rien, tu y as goûté comme les autres, t'étais autant au courant que nous. Quand même. Je me demande si je ferais pas bien d'aller à l'hôpital passer une visite. Pourquoi? Tu te sens pas bien non plus? Je me sens bien, mais ça veut rien dire. Car regarde le Roger, il était encore assis là hier soir, et puis le v'là au lit. Mais non, c'est pas ça. Je suis passé chez lui ce matin, il m'a dit que le médecin y a dit que ça venait des reins. Le médecin a dit. Va savoir s'il cache pas la vérité pour pas affoler le monde. On dit que c'est pas deux. Mais 11 qui ont été hospitalisés. Tu vas voir que si jamais il y a une épidémie, on va accuser tout le village d'être responsable de ce qui arrive. T'as vu, Gustave, ce qu'ils écrivent? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut faire quelque chose, Gustave. Faire quoi? Tu sais, toi, ce qu'il faut faire?
Ça y est, vous pouvez y aller. Bonjour, monsieur le maire. Je me doute de ce qui t'amène. T'es au courant, alors? Ça, oui, j'aurais jamais cru qu'il fasse une saloperie pareille, celui-là. Qui ça? Voilà, le photographe. Celui-là, il n'a pas intérêt à mettre les pieds ici. Non, mais raconter des mensonges pareils avec ma photo, en plus. Bah, écoute, Martin, si c'est vrai qu'elle rend malade tes tomates. Ah, parce que toi aussi, il raconte n'importe quoi dans le journal. Mais s'il rendait malade, moi, j'en mange tous les jours, je serais le premier touché. Bon, sans réfléchir, enfin. Écoute, Martin, si les docteurs le disent... Ah, tu sais pas mieux que les docteurs, quand même. Et puis d'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est mes tomates, hein? Qu'est-ce qui prouve que c'est mes tomates? Mais c'est dit dans le journal, en toutes lettres. Une des tomates en provenance du musée a été analysée. Elle contenait bien des bactéries phytopathogènes. Où c'est marqué, ça? Bah, lis-toi-même. Tiens, là, c'est marqué. J'ai pas lu ça, moi. Enfin, comment ça peut être possible que ce soit mes tomates? J'en ai mangé. Vous aussi, vous en avez mangé, vous n'êtes pas malade? Au village, il y a quelqu'un de malade? Pas encore. Si, Léon. Léon a la dysenterie? On ne sait pas encore, mais... Il faut que tu comprennes, Martin. Si on ne prend pas les devants, ça va nous retomber sur le dos à tous. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il va fabriquer, celui-là? Bien. Bonjour, messieurs. Ah, monsieur le maire, je suis bien content de vous trouver là. Vous connaissez les nouvelles? Oui, j'ai lu le journal. Oui, mais depuis, les choses vont vite. Aux dernières nouvelles, l'épidémie aurait atteint la cote d'alerte. On sent de bon sens, c'est sérieux comme maladie? Apparemment, oui. Elle n'est pas mortelle quand même. Nous le saurons ce soir. Nous devons agir très vite et c'est peut-être même, monsieur le maire, que nous soyons obligés de placer votre village en quarantaine. Et de demander aux habitants de ne pas sortir de leur maison. Je ne cache pas que la situation peut devenir très grave. Les mesures médicales d'urgence ont été prises, mais naturellement, elles ne serviront à rien si on ne détruit pas le mal à sa racine. Allez-y. Arrachez-les. Eh bien, Saint-Martin. Non, non, attendez. C'est monsieur Blanchet qui est à l'origine de cette affaire. Je veux bien croire qu'il l'a fait par devoir pour protéger le patrimoine. Aujourd'hui, dans l'intérêt général, je vous demande, monsieur Blanchet, de détruire ce que vous avez semé et de me remettre les graines qui vous restent. Les graines, elles sont encore dans les tomates. Très bien. Enfin, quand même, monsieur, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que je ne sois pas malade. En effet, normalement, monsieur, vous devriez être malade. Mais je ne le suis pas. Vous en êtes sûr, absolument sûr? Oui, j'en suis sûr. Bon, enfin. Entendons-nous bien, monsieur Blanchet. Vous êtes libre, je ne vous impose rien. Ces messieurs sont témoins que je ne vous impose rien. Si vous détruisez vos tomates, c'est de votre propre gré. Parce que vous avez compris que la situation est grave et que vous êtes convaincu que c'est la seule solution. Ok, vous m'avez bien compris? Je voudrais que vous me laissiez faire ça tout seul. Allez-vous-en tous. Je veux pas que vous me regardiez faire, vous m'entendez? Allez-vous-en, je vous dis. Venez, je le connais. Il le fera pas si on reste. Il a dit, il le fera. Ça y est, il a cédé. Regardez.
qu'est-ce qu'il fait? Ah, le salaud! Branchez l'écoute sur haut-parleur. Dites donc, Blanchet, vous fichez de moi? Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Et vos tomates, pourquoi elles sont pas encore détruites? Ben, réfléchissant bien, je me suis dit que, dans le fond, quand vous m'avez dit que j'y étais pas obligé, puisque à moi, elles me faisaient rien, ces tomates, j'allais vous promettre de plus en donner à personne, et même de plus laisser personne s'en approcher. Et pour pas qu'on risque d'attraper du mal, je vais mettre une barrière tout autour, comme ça, hein, on n'en parle plus. Alors, moi, je garde mes tomates pour moi, je fais de mal à personne. Et puis si jamais je tombe malade, ben, ma foi, ça regarde que moi. Allô? Allô? Et fou, ce type. Comment ça, tu vas voir? Qui appelez-vous? Le service de répression des fraudes, il va voir. Arrêtez, vous n'y pensez pas. Et quoi encore? On cherche justement tous les moyens pour éviter la répression et vous... Vous manquez de sang-froid, la dalle. Bien. Combien d'exemplaires emportez-vous? Une centaine, monsieur. Vous avez bien compris comment procéder? Oui, monsieur. Retirez vos badges. Ok, vous pouvez partir. Et en douceur, hein, s'il vous plaît. Ta parole, Martin! C'est pas chez toi, d'abord. Eh ben, raison de plus. C'est un musée, ici. Et c'est moi, le gardien. Vous avez pas le droit. Et je porterai plein. Et ça, tu l'as vu? Ah, tu l'as vu? Cette fois-ci, tu couperas pas. Vous ne toucherez pas à mes camarades. Tu vas voir. Non, non, attendez, attendez, n'y touchez pas. Elles sont contaminées, faut que ce soit lui qui les arrache. Elles sont contaminées, mes tomates. Elles sont contaminées, mes tomates. Et ça, c'est contaminé. Ah, elles font peur maintenant, mes tomates, elles vous font peur. D'abord, qui c'est qui les a dit qu'elles étaient contaminées? Tiens, t'en veux une? Ah, on n'ose plus approcher maintenant. Ah bah, regardez voir s'il est contaminé. J'en mange. Et j'en mangerai encore. Mais qui le fasse taire, merde! Qui le fasse taire à la fin! Tiens, tu veux y goûter? Y a pas si longtemps, tu te régalais, hein? Et toi? Et toi? Vous êtes malade, peut-être? Ça suffit! Ça suffit! Arrachez vos tomates! Arrachez vos tomates! Arrachez! Vos tomates, arrachez vos tomates, arrachez. Vous pouvez gueuler, vous pouvez gueuler tant que vous voulez, gueuler, c'est ça, gueuler. Moi, je voudrais bien avoir une de ces personnes qui sont tombées malades. Je connais personne à qui j'ai donné une tomate qui soit tombée malade. Vous en connaissez, vous, qui sont tombés malades de mes tomates? T'en connais, toi? Et toi? Toi, t'en connais? Alors? Qui c'est qui les a vus, ces malades? Qui c'est qui est tombé malade? Ils existent, c'est marqué dans le journal. C'est scandaleux, vous moquez de gens malades à cause de vous. Est-ce que vous en avez vu, vous? Oui, j'en connais. Qui c'est? Où c'est qu'il habite? Vous voyez pas qu'il cherche à gagner du temps? N'essayez pas de changer de sujet, vous allez détruire vos saloperies tout de suite, hein? Pourquoi est-ce que vous répondez pas?
T'as fini de te foutre de notre gueule? Tu vas les arracher ou merde? Et plus vite que ça, hein? Non, mais... Allez! Allez! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Empêchez-les, voyons! Arrêtez, vous lui faites mal! Tu l'arraches, c'est ça le prix! Ah, tu veux te battre? Oh, bandit, va! Pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez pas qu'il se fout de notre gueule? N'aviez pas besoin de faire ça! Allez-y, frappez, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Frappez, pourquoi vous frappez pas? Cognez. Cognez-moi. Tant que vous voudrez. Mais ça, je ferai pas le travail à votre place. Ça, non, je ferai pas le travail à votre place. Moi, je m'en vais. Vous font peur, hein, mes tomates? Mais tant que je serai pas malade, j'y croirai pas. Je les arracherai pas. Vous allez? Mais partez pas, merde. Partez pas, mais moi, tant que je serai pas malade, j'y croirai pas, je les arracherai pas. Vous pouvez bien me tuer. Il l'a cherché, non? Si vous voulez. Ok. Eh bien, messieurs, vous semblez inquiets. Je vous rappelle que ce qui vient de se passer était un des cas de figure possibles. Maintenant, il tient à être malade, il le sera. Vous n'y pensez pas? Mademoiselle, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut qu'il tombe malade. Et il a dit lui-même que ça lui était égal. Mais pourquoi pas reprendre la suggestion de Nadal et laisser le service de répression des fraudes intervenir? Il interviendra, mais après. Seulement après. Tant que le bonhomme ne tombe pas malade, le doute restera dans l'esprit des gens. Et tout serait à recommencer. Et c'est précisément parce que nous souhaitons rendre toute répression inutile, parce que c'est la solution la plus mauvaise, qu'il faut convaincre, convaincre, convaincre une bonne fois pour toutes. Mademoiselle, auriez-vous déjà oublié cette règle élémentaire qu'on a dû pourtant vous répéter, j'imagine? Comme par exemple? Par exemple, que toute action psychologique n'a de sens que si elle est poussée jusqu'à son terme logique. Il me manquait l'expérience, monsieur. N'ayez crainte, mademoiselle, nous ne voulons pas la mort du pêcheur, seulement son discrédit définitif. Ok. Vous pouvez y aller. Je vous rejoins sur place.
Attendez, ramenez-le, vous l'avez trouvé. Vous pouvez l'emmener. Où c'est ? Par là. Voilà, c'est le carré qui est là. On a dû commencer par ça. Mettez-vous là pour empêcher les gens d'approcher. Non, non, non. Mettez-vous là et surtout n'approchez pas. Reculez un tout petit peu. L'opération tout entière n'a duré que quelques minutes et s'est déroulée sans incident. À 10h30, tout était terminé. Les habitants de la région n'ont plus rien à craindre. Tout laisse penser que l'épidémie est circonscrite et disparaîtra dans peu de temps. Suite à cette affaire, décision a été prise par le ministère de fermer définitivement le musée du Bon Laboureur. À Amboise... Alors, comment va notre malade ? Eh bien, bien, qu'est-ce qu'il y a, hein ? Allez, redressez-vous, on va prendre le médicament. Buvez tout. C'est bien. Vous la reconnaissez, elle vient de votre jardin. Allez, ouvrez la bouche. Tombe bonne, hein? Pas elle qui m'a rendu malade. Mais oui, mais oui.
Voilà bonne heure. Bientôt, vous verrez, vous ne supporterez même plus de les voir, ces vilaines tomates. Ça va mieux? Vous verrez, dans 2 jours, vous allez pouvoir recommencer à vous nourrir avec de la nourriture bien saine. Entrez! Bonjour, je peux? Oui, oui. Merci. Il va très bien, monsieur Blanchet. Il sera très vite remis sur pied. Hein? Ça va mieux, alors? Je vous ai apporté un peu de lecture. Je vous les pose là? Vous êtes fâché contre moi? Pourquoi qu'ils l'ont fermé, mon musée? C'est complètement idiot, je suis d'accord avec vous, monsieur Blanchet. Je peux m'asseoir? Je suis très désolée de tout ce qui s'est passé. Vous savez ce que je me suis dit après? Que si j'avais pas goûté à vos tomates, vous les auriez arrachées, que tout ça serait pas arrivé. C'est pas vrai? Oui, oui, dans le fond, vous avez goûté, vous aussi, aux tomates. Vous avez été malade? Non. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas de mes tomates qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose. Oui, il y a autre chose, monsieur Blanchet. Si vous le savez, dites-le moi. Je vous l'ai déjà expliqué, monsieur Blanchet. Oui, mais après, vous avez fini par dire que c'était meilleur, mes tomates. Vous voyez bien que j'ai raison, j'aurais pas dû vous écouter. Jamais j'aurais dû écouter. Mais pourquoi ça, mademoiselle, puisqu'elles sont bonnes? Vous pouvez pas dire le contraire. Oui, elles étaient bonnes, mais elles n'existent plus, monsieur Blanchet. À quoi ça sert d'en parler? Elles n'existent plus. C'est fini, tout ça. Fini, il faut plus en parler, plus jamais, puisque c'est pas possible. L'abondance n'est pas possible sans production industrielle standardisée. Est-ce que c'est pas ça l'important, que chacun ait de quoi se nourrir? Est-ce que ça ne vaut pas le sacrifice de vos tomates? Pensez, monsieur Blanchet, que tous ensemble, nous allons construire une civilisation comme jamais les hommes n'en ont connue.
C'est quoi, monsieur? Ah, venez voir. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un secret, attention. Regardez, ouais, ces petits machins qu'il y a là-dedans. Prends-en quelques-unes. Non, pas tant, juste deux ou trois. Voilà. Vous voyez le trou que j'ai fait, là? Eh ben, mets-les dans le trou. Voilà. Alors là, on recouvre bien, sans trop tasser. Et puis on attend. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça c'est là qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Vous avez de la patience, vous? Beaucoup. Bon, ben puisque vous le dites, je vais vous distribuer à chacun un peu de mon secret. Et vous le mettrez dans un trou comme celui que j'ai fait là. Et alors, si vous êtes très, très patient, vous verrez un jour sortir de terre une petite tige. Et si vous faites très attention, alors là, vous aurez la surprise. Hein? Tendez vos mains. Voilà. Ne les perdez pas, surtout. Ah. Ben, sauvez-vous. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Thank you.